fédéralement, et ils vont alors rééquilibrer et utiliser bien l'eau en fonction des critères de la rationalité économique. Pourquoi j'ai dit tout ça? C'est parce que dans les années 70, nos sociétés développées, au lieu de dire, tiens, on est en train de rendre rare l'eau, tiens, on est en train de diminuer la qualité de l'eau pour l'usage humain. Et donc, alors, changeons notre agriculture. Changeons notre manière de faire les processus industriels, de comment on fait une voiture. Vous savez combien d'eau il faut pour faire une voiture? Une voiture, j'ai dit tout, hein, les pneus, les verres, les glaces, les textiles, les caoutchoucs, les moteurs, tout. Faire une voiture, il faut à peu près 400 000 litres d'eau. 400 000 litres d'eau. Alors, vous pensez que nous, on produit, on a un parc automobilistique maintenant de par le monde de 180 millions de voitures. On continue à produire 50 millions, etc. Et on veut fournir plus. Peugeot s'est donné maintenant comme objectif de produire en 2012, je crois, à peu près 10 millions de voitures, toutes seules, elles toutes seules. La Fiat veut en produire 4 millions toute seule. Bien entendu, Toyota, c'est 25, 30 millions, hein, parce que Toyota, c'est la numéro 1 mondiale maintenant. Donc, alors, 400 000. Au lieu de dire, ben, on va faire des voitures maintenant avec moins de 400 000 litres. Au lieu de faire du maïs là où il n'y a pas d'eau naturellement, et on porte d'eau, et alors on abuse des nappes existantes, au lieu de dire tout ça, au lieu de dire changeons l'agriculture intensive, au lieu de dire modifions nos appareils domestiques, au lieu de dire ben, essayons de diminuer l'usage croissant de l'eau minérale en bouteille, en plastique notamment, pour boire, ils se sont dit ça on ne peut pas changer ça. Notre développement, notre mode de vie, qui est l'expression de notre liberté. On ne peut pas la changer. Et donc, il faut faire avec. Alors, il faut faire avec l'eau qui manque. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va essayer de la traiter économiquement. Et donc, on va donner aux entreprises la manière de la gérer. Et on va gérer la rareté. Et c'est normal, parce que dans une économie capitaliste de marché, la seule chose qui prétendent de faire les sujets de l'économie capitaliste, c'est de savoir gérer la rareté. Parce que l'économie capitaliste de marché n'a géré jamais l'abondance. Non. L'économie capitaliste est basée sur la rareté des choses. Une chose qui n'est pas rare n'a pas de valeur. Si tout le monde pouvait avoir une Porsche, la Porsche n'aurait pas de valeur. D'ailleurs, tout le monde peut avoir une Fiat, mais ça n'a pas de valeur. En revanche, une Mercedes, ça a de la valeur. Parce qu'elle est rare. Parce que la qualité est rare. Non? Si tout le monde avait pu aller écouter Pavarotti, au lieu de payer 2000 francs français à l'époque, ben, Pavarotti ne serait pas le grand chanteur, on n'aurait pas été les grands chanteurs, parce qu'il est rare. Et donc, on a loupé, si vous voulez, la capacité de dire, mais peut-être la réponse n'est pas de transformer l'eau d'un bien commun, l'eau d'un élément de la nature en don, de la nature donc droit à tout le monde. Et alors, essayons de faire de sorte que cela soit. Non, on a dit, bon, ça c'est impossible. On ne peut pas changer. Gérons de manière économique, en fonction des logiques du marché, l'offre de l'eau qui est devenue moindre par rapport à une demande qui, elle, est croissante. Et c'est comme ça qu'on a inventé la crise de l'eau. Et à partir des années 70, le monde vit dans la perception qu'on a la crise de l'eau.
Et on a dit, bon, voilà la crise hydrique. Il y a trop de demandes et il y a trop peu d'offres. Et alors, il faut sélectionner. Et comment est-ce qu'on peut équilibrer la demande de l'offre? Ben, si j'augmente le prix, les demandes diminuent. Et si je fais si je donne au privé des incitations à réduire, augmenter la productivité de l'eau, et donc augmenter l'offre, ben ça ira. Et donc avec le fait qu'on incite les privés à être plus intelligents, plus productifs, à augmenter l'offre, en améliorant la gestion des quantités disponibles, et on demande aux consommateurs d'être plus raisonnables dans le sens d'aller dépenser là où ça rapporte mieux pour les privés, on va éliminer les demandes excessives, inutiles, sans valeur, et on va augmenter l'offre, même modestement, qui rapportera le plus. Et c'est ça la logique des années 70, des années 80. Entre-temps est venu se greffer un problème considérable qui a changé complètement ces dernières années les donnes basées sur la crise de l'eau, sur la théorie de la crise de l'eau. Et c'est qu'ils se sont aperçus, nous sommes aperçus, que notre problème de qualité de l'eau, notre problème de un peu raréfaction de l'eau des nappes était à rien comparable à la vraie crise de l'eau, qui était le fait qu'il y avait des parlements de plus d'un milliard, 200, 300, 400, 500 millions de gens, 1,5 milliard de gens, qui n'avaient pas accès à l'eau. Et que donc, il s'est trouvé dans toute une autre histoire. Nous, on vivait dans l'idée, tiens, l'agriculture nous bouffe trop d'eau, et nous, pas l'eau pollue, l'industrie, etc. On veut avoir des qualités de l'eau, ça sent le chlore, alors on va acheter l'eau en bouteille. Ça, c'était notre problème. Et on a inventé bien économique. Et on a imposé cette idée au monde entier, parce qu'en 1992, pour la première fois dans l'histoire des sociétés occidentales, à la conférence de Dublin qui a précédé, sur l'eau, qui a précédé le premier sommet mondial des Nations Unies sur le développement environnement où on parlait de l'eau, pour la première fois, on a affirmé, et c'était l'école française de l'eau qui l'a imposé, quatre principes, dont le quatrième était de dire que l'eau ne peut plus être considérée un bien social, mais qui doit être considérée principalement un bien économique. En même temps, avant, une dizaine d'années, 15 ans avant, on avait alors perçu qu'il y avait tout un autre problème de l'eau et qu'étaient ces gens, les milliards de gens qui n'avaient pas accès à l'eau potable et les 2,4, 5, 6 milliards de gens qui n'avaient pas accès à des services sanitaires, c'est-à-dire qui n'avaient rien à la maison, qui n'avaient pas de toilettes, etc. et qui n'avaient même pas accès à toilettes publiques, à des latrines publiques. Il n'y a pas de latrines publiques. Et alors, vous imaginez, vous n'avez pas accès, même pas à une latrine publique. Autrement dit, vos déchets humains, vos défécations, vos urines, et surtout, dans des agglomérations urbaines, qu'on appelle les bidonvilles, qu'on appelle les slums, là où vivent 300 000 personnes, il n'y a rien. Là, ils vivent 100 000 personnes, mais il n'y a rien d'équipement, d'infrastructure. 2 milliards, aujourd'hui, sont 2 milliards 600 millions de gens qui n'ont aucun accès à une gestion de leurs déchets. Et ça signifie non seulement un scandale terrible, je trouve que c'est le principal scandale humain actuel à l'échelle du monde, qu'il y ait un manque de latrines publiques pour 2 milliards et 600 millions de gens. J'avais calculé il y a quelques mois les coûts de ces latrines publiques, pas individuelles. Eh bien, j'ai constaté que leur coût est inférieur
au coût de recherche et développement, et au coût de production et au coût de publicité de cette génération nouvelle de voitures SUV. Vous savez, ces géants, ces voitures géantes. Les 4x4. Hein? Les volumes là, les volumes de ces voitures. Les monovolumes géants, 4x4. C'est bête énorme. Eh bien, l'économie mondiale a la rationalité de supporter et financer les coûts de la production de ces voitures, mais l'économie mondiale est incapable de créer les conditions pour des latrines publiques pour 2,6 milliards de gens. Belle économie que nous sommes. Belle fierté de notre économie, belle fierté de tous nos ingénieurs qui sont capables de faire toutes ces voitures. Belle fierté pour tous nos producteurs d'automobiles qui sont capables de faire tout cela. Belle fierté pour tous les publicitaires qui font la publicité de ces voitures en vous disant que ça c'est le devenir, ça c'est la richesse, ça c'est la splendeur, ça c'est la joie de vivre, c'est la qualité de la vie, le week-end. Et ces ingénieurs, ces entrepreneurs, ces financiers, ces publicitaires, ils n'ont pas, excusez-moi l'expression, foutu d'être capables de faire des latrines publiques qui coûtent moins cher que tout ça. Et alors, ayant constaté que finalement, il y avait ce gros problème, en 1974, les gens décident de dire, bon, il faut prendre le taureau par les cornes et on va essayer de résoudre ce problème. Parce que les dirigeants des pays européens catholiques, socialistes ou ex-communistes, qui étaient à l'époque communistes, ils ne pouvaient pas accepter ça. Comment est-ce qu'un démocrate chrétien pouvait accepter de dire l'économie mondiale accepte 1,7 milliard de gens? Comment un socialiste, comment un libéral qui prêche la liberté, et puis il constate qu'il y a 2,6 milliards de gens qui ont la liberté, bon, ils n'ont même pas la liberté d'uriner, quoi. Et alors, bon, tout le monde se dit, il faut. Et en effet, vous le savez qu'en 1974, les grands leaders du monde décident d'allouer 0,7% de la richesse des pays riches à l'aide au développement, vous vous rappelez, en disant que si tous les pays riches du monde allaient allouer pendant 25 ans 0,7% de la richesse, on aurait éradiqué la pauvreté à l'an 2000. Et éradiquer donc l'existence des gens sans accès à l'eau et sans accès aux latrines. Et alors, ils ont fait des grands battages et pendant 25 ans, il y avait toute l'aide publique, etc., etc., etc. Et à l'aide, ils n'ont pas maintenu la promesse, vous le savez pertinemment. Et à l'an 2000, ils constatent qu'au lieu d'avoir éradiqué la pauvreté, il y a 2,8 milliards de gens pauvres. Et au lieu d'avoir donné l'accès aux latrines, il y a 2,6 milliards de gens sans latrine publique. Et au lieu de porter l'eau à tout le monde, même sous forme de fontaine publique, ben, il y a 1,5 milliard de gens qui ne savent pas ce qu'est l'eau potable. Entre-temps, au fur et à mesure qu'ils voulaient essayer de dire on élimine la pauvreté et on apporte l'eau, on équipemente nos sociétés dans l'Afrique, l'Amérique latine avec des puits, des aqueducs, etc., qui disaient ça. Ils ont également dit, mais comment est-ce que ces pays pauvres peuvent faire ça? Nous, on peut les aider. Et comment est-ce qu'on peut les aider? On peut les aider en leur portant notre technologie, notre argent. Bon, voilà, alors on les a invités à s'endetter, à demander à la Banque mondiale de leur donner l'argent pour pouvoir financer la construction de puits, d'aqueducs, de barrages. Et ce fut la rage aux barrages. Et tous ces pays
se lancèrent dans une grande fiesta permanente à construire des barrages partout. Et qui faisait ces barrages? Qui faisait ces barrages? Qui faisait les turbines pour faire fonctionner? Les barrages, beaucoup, les faisaient Bouygues aussi. Les barrages, c'était ABB. Les barrages, c'était Suez. Et les turbines, ben, les turbines, c'est Thomson, c'est General Electric, c'est ABB. Et tous ces dizaines de milliers de barrages qui ont été construits à l'argent de la Banque mondiale pour lesquels ils sont endettés, ce pays. Ce n'est pas que dans la Banque mondiale donnée gratuite. Tous ces pays se sont endettés. Et au lieu d'apporter l'eau pour l'agriculture, l'eau pour l'électricité, ils sont constatés à la fin que les barrages étaient un désastre écologique, un désastre économique, un désastre technologique, qui n'était pas la réponse. Et que non seulement ils s'étaient endettés, et que donc au lieu de tirer richesse de la vie, à travers l'eau des barrages, ils se sont endettés auprès de nous. Et nous, on leur donnait ensuite l'argent, la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale donne l'argent. Qui donne l'argent à la Banque mondiale? Ben, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne, c'est le Japon, c'est l'Italie, c'est la Suède, la Suisse. Mais ils donnent l'argent à la Banque mondiale pour donner aux autres, en disant, mais puis, et toi, Banque mondiale, tu me retournes ce que je t'ai donné comme capital. Et alors, ils ont dit, mais je te donne des prêts pour faire les barrages, pour faire des investissements en agriculture, à la condition, c'était le principe de conditionnalité apaisée, qui a commencé en 1978 avec la fameuse politique d'ajustement structurel. C'est-à-dire, je te donne l'argent pour que ton économie s'ajuste structurellement à l'économie développée. Et alors, on les a imposés, le principe de conditionnalité, parmi lesquels il y avait le principe de privatisation des services hydriques. Et qui a gagné les appels d'offres, les concours publics que tous ces pays devaient faire pour obtenir l'argent de la Banque mondiale? Qui a gagné tous ces concours, qui d'ailleurs devaient être internationaux? Ben, c'était surtout deux grandes compagnies. En Afrique, en Amérique latine et en Asie, les ex-colonies sont été la Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux. Et de l'autre côté, petit à petit, à partir du début des années 90, c'était les entreprises britanniques, Thames Water, surtout la numéro 3 mondiale après Générale des Eaux et Lyonnaise des Eaux. Et tout cet argent qui a été récolté par tous ces pays qui ont payé, ils sont endettés. Et d'ailleurs, ils sont toujours plus endettés. Et plus ils sont endettés, plus ils sont devenus pauvres. Et plus on a construit des barrages, on a construit des aqueducs qui après n'ont pas fonctionné, et plus nous sommes devenus riches. Et la richesse du secteur hydrique, notamment des entreprises multinationales françaises, a signifié l'appauvrissement des populations d'Afrique et d'Amérique latine. Ce n'est pas par hasard qu'il y a un mois, à Cordoba, on a résilié de manière violente le contrat avec Suez. Ils ont expulsé Suez de Cordoba, comme l'avait fait il y a un an Santa Fe, toujours en Argentine. Et à Mali, on a expulsé Vivendi, et etc., etc. Ils sont appauvris, et ces pays se sont appauvris. Et alors, quelle était la réponse? Et nous arrivons maintenant à notre période, et puis j'aurai terminé. Et en disant quelque chose sur le manifeste de l'eau, vous avez vu que j'ai oublié complètement. Alors, la réponse pour expliquer tout ça et l'échec a été de dire, mais écoutez, ces pays, on leur a donné l'aide, mais ils sont corrompus.
L'aide qu'on leur a donnée n'a pas été à destination. Ces pays ont fait d'autres usages, sont corrompus. Donc, responsabilité, pas nous, eux. Autre argument est de dire, et puis ces pays finalement ont démontré qu'ils ne sont pas capables de se gouverner. Instabilité politique, guerre tribale. Il y a un problème de gouvernance. Et d'ailleurs, vous savez que maintenant, depuis 5 ans, depuis l'an 2000, la Banque mondiale a introduit un autre principe de conditionnalité quand elle donne l'argent à ces pays. Il dit vous devez respecter les critères de gouvernance. Vous devez démontrer que vous savez gouverner. Et les critères de gouvernance, par hasard, c'est nous qui les avons établis. Hein? Les traités, les principes de gouvernance, c'est nous. D'ailleurs, même la Commission européenne, il y a 5 ans, avait publié, même 7 ans, excusez-moi, il y a 7 ans, avait publié un livre blanc sur la gouvernance, dans lequel elle reprenait, sur la partie aide au développement, les principes que les pays sous-développés devaient respecter pour pouvoir entrer dans la logique de la gouvernance. Parce que sinon, ce n'était pas une économie correcte. Et alors, ils ont commencé à dire, ils sont corrompus, il n'y a pas de gouvernance, et c'est pour cela qu'ils n'ont pas su résoudre le problème de la crise hydrique, c'est-à-dire du fait que, et aussi ils ont trop de besoins, mais l'eau n'est pas assez, et n'ont pas résolu le problème aussi quantité et qualité de l'eau dans leur pays. Et alors, l'an 2000, ils se sont rencontrés de nouveau, les grands chefs du monde, et surtout nos pays occidentaux, et alors ils ont déclaré que désormais, devant cet échec dû, selon nous, selon nos pays, à eux, il faut abandonner l'objectif de l'éradication totale de la pauvreté. On ne peut plus éradiquer la pauvreté. Et donc, on ne peut pas donner, créer les conditions pour que tout le monde ait accès à l'eau. Et alors, on a commencé à inventer, de dire oui, le droit à l'eau, oui. Mais on ne peut pas le reconnaître, le droit à l'eau. Parce que on ne peut pas admettre le droit à l'eau puisqu'ils ne sont pas capables. Et si eux ne sont pas capables, nous, occidentaux, on ne peut pas affirmer et reconnaître le droit à l'eau pour tout le monde, pourquoi devrions-nous le faire, nous? Non, c'est de l'impérialisme vouloir créer les conditions pour que tout le monde ait droit à l'eau. On ne veut pas. Et alors, finalement, vous le savez, en septembre 2000, à l'occasion du sommet du millénaire, on l'appelle le sommet du millénaire, c'est-à-dire le sommet mondial des Nations Unies pour réfléchir sur ce qu'il faudrait faire pour le troisième millénaire, c'était à l'an 2000. Alors au sommet du millénaire, ils ont dit voilà les objectifs du développement qu'on peut établir à l'occasion du millénaire. On ne peut plus éradiquer la pauvreté. On peut se donner comme objectif d'éradiquer l'extrêmement pauvre, c'est-à-dire de diminuer de moitié les nombres des extrêmement pauvres et en même temps le nombre de moitié de ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable et de ceux qui n'ont pas accès aux services sanitaires. Or, il me faut 30 secondes pour vous expliquer qu'en 1974, on avait défini les pauvres absolus, les pauvres absolus, comme les personnes qui ont moins de 2 dollars par jour de revenus. Et après, puisqu'on avait constaté que ça n'était pas suffisant pour décrire vraiment l'état de pauvreté des gens, ils ont inventé une autre définition qui s'appelle les extrêmement pauvres, ceux qui ont moins d'un dollar par jour. En 1974, il fallait éradiquer la pauvreté, pauvre, pauvre absolu ou extrêmement pauvre en 2000. Au contraire, ils constatent que l'an 2000, il y a 2,8 milliards de pauvres. Et à l'an 2000, qu'est-ce qu'ils disent? On ne veut pas éradiquer la pauvreté. On peut essayer de se donner comme objectif en 2015 de diminuer de moitié le nombre des extrêmement pauvres, c'est-à-dire 1,3 milliard de gens. Mais 1,5 milliard de gens de pauvres restent. On ne peut pas les diminuer, même pas d'un quart.
On diminue seulement de 650 millions les extrêmement pauvres. Si vous faites un calcul, vous devez savoir que chaque année, en l'an 2000, la population mondiale augmente de 80 millions. Et ces 80 millions naissent tous dans les pays pauvres. Et la probabilité que de ces 80 millions, 79 millions soient pauvres est élevée. Donc en 15 ans, vous avez à peu près encore plus d'un milliard de pauvres. 1,5 milliard de pauvres absolus, plus 650 millions d'extrêmement pauvres, plus 1 milliard de nouveaux pauvres, vous avez 3 milliards de gens pauvres en 2015. Et c'est ça, c'est le millénaire du développement. D'ailleurs, vous le savez tout ça. Vous saviez tout ça. Non? Nous sommes dans une société d'information. On sait tout. Il y a trop d'informations. On abonde d'informations, n'est-ce pas? Vous savez tout ça. D'ailleurs, en démocratie, les dirigeants informent les citoyens. Non? Et les dirigeants ont été à New York, à l'Assemblée des Nations Unies. D'ailleurs, maintenant, vous savez que nous sommes en démocratie, parce que le président Sarkozy vous a informé de ce qu'il va dire aux Nations Unies, n'est-ce pas? Non? Parce qu'on est dans la société de l'information et de la communication. Comment, vous ne le savez pas? Eh bien, en l'an 2000, ils ont fait ça. Et alors, ils arrivent à maintenant. Maintenant, il y a toute une autre perception de l'eau qui est en train de se greffer sans l'éliminer sur les perceptions de l'eau dont j'ai parlé jusqu'à présent. Et c'est la perception de l'eau, de la catastrophe de l'eau mondiale à cause des changements climatiques. Alors déjà, dans les années 70, on s'était aperçu que la planète commençait à souffrir. Maintenant, grâce aux résultats des travaux qui ont commencé en 1992, lors du premier sommet mondial sur l'environnement et le développement, parce qu'à l'époque, déjà, on commençait à dire, oh, ici, on ne peut pas continuer à épuiser les ressources naturelles. À ce rythme, on va avoir en 2010, 2020, certains minéraux manqueront, la forêt disparaîtra, le capital biotique diminuera, etc., etc. Donc, on avait déjà commencé à affirmer ça. Mais les gens ne croyaient pas. Les gens qui disaient des choses pareilles à l'an 1992 étaient considérés des cassandres, des catastrophistes, des gens qui ne comprenaient rien à l'économie mondiale, à la croissance, ils étaient anti-américains, ils étaient anti-choses, quoi. Mais ils ne comprenaient rien, quoi. Tous ceux qui disaient, oh attention, modifions l'agriculture, attention à notre croissance urbaine, attention à notre développement industriel, attention à l'eau. Et alors, en 92, ils ont mis un tout petit peu de choses en marche. Et puis, 5 ans après, à Kyoto, ils ont essayé de faire un protocole de Kyoto. Mais il y avait les États-Unis qui n'ont pas voulu savoir rien du tout. Et donc, ça n'a pas marché. Et ça a commencé à devenir chaud de l'idée. Et ici, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et en effet, en 1992, ils ont constitué ce qu'on appelle l'International Program on Climatic Change, c'est IPCC, c'est-à-dire un programme international de recherche sur le changement climatique, qui a produit toute une série de rapports et il y a quelques mois a produit le 4e rapport, dans lequel il confirme ce qu'ils avaient dit déjà en 97, ce qu'ils avaient déjà dit en 92. C'est-à-dire qu'il y a un réchauffement de l'atmosphère sur les 100 dernières années, que le réchauffement continuera. Il est difficile de dire de quel degré sera, mais la fourchette est entre 0,9 degré et 6,2, et il suffit une augmentation d'un degré de la température pour que de bouleversements terribles aient lieu. Et ils ont dit, voilà, il y a des changements, des effets dévastateurs de ces changements climatiques, en particulier le domaine qui sera le plus vulnérable, le plus touché, sera l'eau.
Ce qui signifie que il y aura de plus en plus la fonte des grands glaciers de l'Himalaya et de toutes les grandes chaînes de montagnes. Il y aura la fonte sur 100, 120 ans, déjà à l'an 2080, 70% des calottes polaires seraient fondues. Les glaciers sont disparus plus avant. Il y aura donc énormément d'eau douce qui, une premier temps, sera déversée dans la mer. Il y aura beaucoup d'eau dans toutes les parties du monde, mais ça provoquera des inondations. 15-20 ans après la fonte des glaciers et des calottes polaires, l'eau douce diminuera parce qu'elle sera plus alimentée. Et donc les Ganges, le Brahmapoutra, le Mekong, etc., tous ces bassins, grands bassins fluviaux qui dépendent de l'Himalaya seront à sec, il y aura des sécheresses terribles, ainsi de suite. Et en Europe, ceux qui sont le plus touchés sera la Méditerranée Sud, donc l'Afrique du Nord, le Sub-Sahara encore plus, et ensuite toute la Méditerranée Nord avec des intensifications des phénomènes extrêmes, c'est-à-dire inondations, suivies immédiatement par la sécheresse, et ces phénomènes extrêmes seront stochastiques, aléatoires, on ne le saura pas, mais de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. Et alors, on nous annonce qu'en l'an 2032, 40 ans après 1992, 60% de la population mondiale vivra dans des régions à forte pénurie d'eau. Et alors, les 3 milliards, et alors les terres agricoles, il y a des inondations, le cycle hydrologique sera perturbé, les terres arables auront des problèmes, la production agricole des riz et des seigles sera complètement bouleversée. Et ça, ce sont des choses sérieuses, ça, ce sont des choses vraies. Ce n'est pas des spéculations de futurologues. Ça, ce sont des choses consolidées qui viendront. Où est-ce qu'il est le catastrophisme des dominants? Que face à tout ça? Pendant un certain temps, ils ont essayé de nier ça. Même devant l'évidence, à partir surtout des États-Unis, le gouvernement américain a toujours nié la pertinence scientifique de la constatation du réchauffement de l'atmosphère. Il ne discutait même pas les conséquences, si les conséquences. Il niait le fait même qu'il y avait un réchauffement de l'atmosphère. Il y a à peu près 2 mois, pour la première fois, le président Bush a reconnu un tout petit peu qu'il y avait du vrai dans l'affirmation du changement climatique lié au réchauffement de l'atmosphère. Mais sur toutes les conséquences, il continue à dire que ce n'est pas grave. Et surtout, et voilà ici où les seigneurs de l'eau, les seigneurs de l'argent, les seigneurs de la technologie, que c'est une démarche que j'avais mise en évidence dans le manifeste de l'eau, réaffirment leur violence, réaffirment leur arrogance, réaffirme leur négation du droit à la vie des gens. Pourquoi? Ils disent, ne vous en faites pas. Oui, il va y avoir tout ça. Ne vous en faites pas. Nous avons la technologie pour le résoudre. Et vous savez, et ils le disent. Et vous savez ce qu'ils disent, qu'ils ont la technologie, c'est le dessalement de l'eau de mer. Et alors ils sont en train de faire une ode symphonique fantastique sur la technologie du dessalement. Et ils disent, on va dessaler 1% de l'eau, même si les océans augmentent, même si le niveau de mer augmente, et Bangladesh va disparaître, parce que déjà vous savez que moitié du territoire de Bangladesh est sous eau. Et donc toute cette partie-là risque d'être encore plus sous eau. Ne vous en faites pas. On va dessaler l'eau salée parce qu'il n'y aura plus d'eau douce. Les calottes, les glaciers sont transformés. Même si quand
toutes l'eau douce des calottes polaires et des glaciers qui représentent 90% de toute l'eau douce existante sur la planète à l'heure actuelle et que nous n'avons pas utilisée et nous ne sommes pas en mesure d'utiliser. Elle va être fondue et elle va dans la mer, mais par le cycle hydrologique, par l'évaporation, va redevenir eau douce. Mais elle ne revient plus toute l'eau douce. Elle ne reviendra qu'une partie, 30%, 40%. Donc, effectivement, l'eau douce va diminuer. Mais l'eau va, la quantité d'eau reste la même. Et alors, ils disent, donc, on va avoir beaucoup d'eau, encore plus des océans dans la mer, on va utiliser 1%. Avec le dessalement, la technologie de dessalement. Alors, ils disent, n'ayez pas peur. Nous aurons l'eau douce pour tous. Alors, si vous regardez à quoi sert, parce que le dessalement, ce n'est pas une technologie nouvelle, c'est une technologie qui existe déjà depuis belle durée et qui est utilisée naturellement dans les pays chauds, mais sur les échelles, ce sera une grande nouveauté, même si la Californie, Israël et les pays arabes, les Émirats arabes, utilisent déjà le dessalement sur vaste échelle. Mais si on regarde c'est à quoi sert le dessalement de l'eau en Californie, à Israël, et maintenant Israël a demandé la plus grande station de dessalement au monde à Vivendi. Ce sont donc des Français qui vont faire la plus grande station de dessalement au monde, pour Israël. Si vous regardez à quoi sert tout ça, en Californie, voilà, ce n'est pas pour produire de l'eau douce, potable pour les gens qui ont besoin. Non. Ils le font pour faire quoi? Pour continuer l'agriculture intensive qu'ils sont en train de faire. Donc ils l'utiliseront pour faire l'irrigation. Pour continuer à pouvoir continuer à faire l'agriculture actuelle. Pour alimenter les industries. Les pays arabes, des Émirats arabes, vous savez pourquoi ils utilisent le dessalement de l'eau de mer, aussi pour boire, ça c'est vrai, parce qu'ils n'ont rien, mais pour alimenter les, quoi, les champs de golf, les camps de golf, qui sont l'usage le plus déraisonnable d'eau. Il faut des millions de litres d'eau par jour pour maintenir les terrains d'un camp de golf de 18 trous. Des millions de litres. Par jour. Alors ils vont faire le dessalement. Ils peuvent se payer. Alors, ils feront tout ça pour faire quoi? Non pas pour porter l'eau là où il faudra. Non pas pour donner l'eau aux gens qui, de 2 milliards, ils sont pour faire les latrines. Mais pour continuer à faire le mode de développement qui est le nôtre. En Californie, pour continuer à boire, à consommer plus de 3000 litres par jour. Et en France, pour continuer à utiliser 250 litres par jour. Et en Chine, pour faire les voitures avec 420 000 litres par voiture. Alors, à quoi sert le dessalement de l'eau de mer? Et alors, ils disent, puisqu'on a la technologie, on n'a pas besoin de changer notre mode de vie. Et comme ça, on va résoudre le gros problème environnemental du développement du monde. Ils disent, comment est-ce qu'on peut empêcher les Chinois à devenir des pays producteurs de choses comme nous? On ne peut pas, on n'a pas le droit. D'ailleurs, la croissance est bonne. D'ailleurs, les Chinois ont besoin de droit de grandir, de devenir une société de consommation comme la nôtre. On ne peut pas leur dire, non, on ne pouvait pas. Et nous, on ne veut pas changer. Les Américains l'ont dit. Mais beaucoup d'Européens pensent la même chose que les Américains, sans le dire. Parce que vous savez, ce qu'ils ont dit depuis 20 ans, les Américains, 30 ans, quel que fût le président des États-Unis. Mais ils ont dit, the American way of life is not negotiable.
Le mode de vie américain n'est pas négociable. Et ils sont durs comme fer jusqu'à présent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu signer les protocoles de Kyoto. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas signer les protocoles sur la déforestation. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas signer la convention sur la biodiversité. Parce que tout cela serait limitatif des conditions de leur mode de vie. Et the American way of life is the best way in the world.